Et voilà une review du Transformers, le film, Thundercracker, Voyager Class, que je me souviens de lire. Alors, un truc tout de suite par rapport à cette pendant que je remets en place. Les jambes sont manquantes. Alors, celui-ci, c'est un avion de chasse, puisque tout simplement c'est un clone de Starscream, comme d'habitude c'est un simple repaint du Starscream, du premier film. Donc voilà, un avion tout simple avec des lance-missiles qui tournent, vous allez voir, il suffit de le faire rouler, ça, là, je vais vous faire le face. Alors là c'est la moquette, donc ça ne fait pas trop, mais là, vous voyez, quand ça roule, là ça tourne. Fait encore une fois et là vous voyez tout simplement voilà, c'est bon. Là ça fait tourner les lance-roquettes. Alors celui-ci il résiste un petit peu plus parce que celui-ci ça tourne au libre, mais c'est bon. Voilà, donc un mode véhicule sympa, et on le laisse toujours en mode véhicule parce que tout simplement il ne tire pas sur ses deux jambes qui ne sont pas entières. Voilà. Pour ce mode véhicule, le seul petit problème, petit bémol, c'est la tête. Une tête carrément apparente. On enlève ça et puis. Oh, tiens, une tête. Voilà, donc à part la tête, c'est vraiment un TF assez sympa en mode véhicule. Donc on va passer à la transformation, et premièrement on va écarter les bras. Alors, quand ça tient bien, le truc c'est qu'on les détache, mais sinon ça part tous quand même. On abaisse, si ça veut bien rester en place, parce que tout dégage comme d'habitude. Voilà. Donc ça, ça va donner les bras. Ensuite ici, on va tout simplement mettre en avant les jambes, ce qui va devenir les jambes. On va mettre en arrière et on va le laisser comme ça. Ensuite ceci, on remonte un petit peu. Cela, on va baisser pour prendre la tête apparente. Voilà. Ensuite, ici on va séparer. Ceux-ci, on va les mettre ainsi. Là, on va les mettre devant. Pareil. Donc on va prendre cet aileron et celui-ci aussi. On relève les ailes. Et voilà. Ensuite, les ailes, on va les replier. Décidément, je vais y prendre mal. Et on va les mettre derrière. Pareil pour l'autre. Tac, c'est pour ça que je vais y prendre mal. Voilà, donc on garde les ailerons. Ceux-ci, on va tout simplement pouvoir les reculer. Ensuite, là, on va mettre ici, il y a un picot qui va aller dans ce trou. Voilà, donc on a presque transformé les épaules, on va les relever des deux côtés, et puis on l'a quasiment transformé. Hein. Ceci, on va le bloquer dans la rainure, là, et on va écarter sur les côtés. Alors, ensuite, c'est tout, parce que normalement on devrait accrocher les jambes ici, mais je vous l'ai dit, nous n'avons plus les jambes. Parfois réussi à les perdre, hein, donc, ça... celui qui faut applaudir c'est Rafou, c'est pas moi. Alors
Niveau mouvement, normalement, il y aurait un genou. Puisque normalement, il lui reste une jambe. Mais pour pouvoir le mettre comme ça, on lui a enlevé, enfin, je lui ai enlevé sa seule jambe. Il a été privé de jambe. Alors, niveau mouvement, la tête tourne de gauche à droite, mais pas trop. Le bras, on peut le remonter, tac, ça tourne ici, ça va en avant, en arrière, ici aussi, en arrière. Alors, en même temps, vous avez la roue qui tourne, là, la petite roue derrière, je vais vous montrer. Vous le voyez certainement pas. Ça, on revient en arrière. Et vous avez un viseur, plus ou moins, là. Alors, je vais vous le montrer. Ça, vous pourrez voir peut-être un peu mieux. Ah, sur du blanc, ça se voit mieux. Alors, en plus, on peut écarter ici. Ça fait un petit peu l'impression de... un truc qui va vraiment tirer en rafale, et normalement il y a des missiles que je me souviens ils sont orange. Ici on peut aller en avant, en arrière et écarter. Puis je vous ai dit, normalement au niveau de la jambe c'est comme Starscream, c'est en arrière et comme ça. Donc voilà, il pourrait être plus grand comme Starscream, je vous ai dit. Parmi les premières previews Starscream à l'orange. Si vous vous souvenez, voilà. Donc c'est tout pour ce Thundercracker, le film. Alors, peut-être qu'elles ont été un petit peu bâclées ces reviews, je suis désolé, mais bah, déjà je suis un peu malade, donc j'ai envie d'en finir assez vite. Puis bon, bah, c'est pour que j'ai pas trop le nez qui coule. Et puis, bah, je déménage dans pas longtemps, donc il va falloir que je les rende, donc... ça va être quelques mois où je vais pas trop vous faire de review parce que voilà, puis pas non plus de test parce que va falloir que je prépare mon déménagement. De toutes les façons, je serai pas dans mon nouvel appartement. Donc voilà, c'est tout pour ce Thundercracker et pour ce briefing, si je puis me permettre. Donc on se laisse là-dessus et on se retrouve pour une prochaine review, pour un test, dans plusieurs mois. Et si vous avez l'occasion d'aller voir Transformers 3, je pense que vous devriez aller voir. Allez, salut!